Bonjour, bonjour. Cette vidéo rapide, hein, je vais vous donner quelques signes que vous serez riche. Ceci a été inspiré par que j'ai quelques personnes autour de moi actuellement que je suis en train de conseiller. Et ces personnes-là ont l'air de penser qu'elles connaissent déjà. Donc, mes directs sont très inspirés des messages que je reçois. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de ce message pour pouvoir savoir que vous êtes sur le bon chemin. Sinon, vous allez continuer. J'ai l'impression, je vois certaines personnes d'entre vous, vous êtes dans votre environnement. L'environnement n'a pas changé, mais vous êtes en train de changer. Et les gens autour de vous sont en train de vous faire croire que c'est vous qui êtes fou. Je vais vous donner quelques signes qui vont vous montrer que vous serez riche et que c'est même pour très bientôt. Parce que qu'il y a cela quelques mois, je suis tombé sur un jeune homme, et quand j'ai écouté ses paroles, il est en ligne, bien sûr. Quand j'ai écouté ses paroles, ça m'a permis de checker ma propre lignée ou bien mon propre parcours pour voir qu'en fait j'y étais déjà presque. Bonjour, bonjour. Donc, le premier signe, hein, qui va te montrer que tu seras bientôt riche. Vous avez... C'est comme si vous êtes quitté de votre... Vous êtes plus dans le spirituel que dans le physique. C'est-à-dire, avant, quand tu restais, tu regardais autour de toi. Tu voyais le chaos. Ta mère, tes oncles, tes tantes. Tu étais découragé. Maintenant, quand tu restes, tu les regardes. Tu es convaincu que ton cas sera différent. Il y a quelque chose en toi qui te fait croire que dans notre famille, peut-être, il y a mes tantes, elles n'ont rien fait. Il y a mes cousins, il y a mes propres frères. Ils ne sont nulle part. Mais tu as cette sensation en toi. Et parfois, tu te surprends en train de dire même aux gens de ta famille, ou à qui veut l'entendre, bien sûr, que non, moi, elle va devenir riche. Peut-être tu es dans un village même, ou bien si tu es à Bafoussam, ou bien même à Yaoundé, personne d'entre vous n'est jamais parti en Europe. Mais toi, tu es convaincu que tu vas faire tes papiers, tu vas partir en Europe. Donc, tu commences à avoir une assurance. Tu commences à avoir une assurance sur ton futur. Peut-être tu es vigile quelque part ou caissier. Tu arrives quand les employés se plaignent, ah, le patron se dérange. Tu ne rentres plus dans le truc là. Tu te sens déjà riche. Tu ne parles plus comme les pauvres. Tu ne te plains plus. Tu as commencé à comprendre tes erreurs. Parce que là, tu dois d'abord redevenir riche à l'intérieur, avant d'attirer à l'extérieur tes gens et ton argent. C'est vrai que ça rime bien. Avant tes gens et ton argent. Par exemple, hier, j'ai rencontré une dame. Bon, pendant les consultations à Yaoundé, elle avait une si bonne énergie.
crois que c'est l'une des personnes qui voulait me voir à Bafoussam. Et j'avais refusé. Elle est venue à Yaoundé me voir. Donc elle arrive. Elle me dit. Je suis tellement sûre que mes choses vont marcher maintenant. Elle vit en, elle est séparée de son mari pour l'instant. Et le mariage l'a beaucoup affaiblie. Mais elle dit que ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'elle écoute ce que je dis, ou 3 mois, je sais pas. Donc elle a commencé à faire. Et quand je la vois, je lui dis que tu sais quoi? Là où tu es là, si tu vas n'importe quoi, n'importe qui va acheter. Parce que ton énergie est tellement. Donc, dans ta tête, tu n'es plus là où tu es là. Tu es là loin devant. Et c'est cette assurance qui va te pousser à aller faire des produits. Qui va te pousser à penser à vendre des produits un peu plus chers que ce que tu faisais d'abord. Avant, tu vendais les produits à 1000 francs. Il te faut vendre 100 produits pour avoir le bénéfice de 20, de 50 000. Maintenant, dans ta vision intérieure change. Tu vas chercher les produits maintenant que tu vends qu'à 25, 25 000. Tu vends 4 produits, tu as déjà combien? 100 000 francs. Donc, un premier signe que tu seras riche. Dans ton intérieur, tu ne te vois plus là où tu es là-haut. Tu es là loin. On devient quelqu'un qui attire l'argent. C'est pour ça que B t'a déjà donné même les. Il t'a ouvert le shopping, il t'a fait ceci, tu n'as pas avancé depuis. Parce que tu es pauvre dans ton esprit. Deuxième signe que tu seras riche. Tu as commencé à écrire tes rêves, ta vision, sur le papier. La Bible dit que write down the vision. Make it plain. That he who reads may run. Écris la vision. Fais que ce soit clair. Celui qui va lire va courir. Donc, là où tu as été de m'écouter là, tu as écrit ce que tu désires quelque part. Tu as écrit ce que tu seras. Quand je vois souvent les gens comme ça, j'ai un petit là qui. Il montre qu'il connaît. Il maîtrise. Tu vois, j'ai un petit qui est arrogant là, non? Tu le prends, tu veux un peu le guider, que fais comme ça là. Il dit, ah, je connais. Fais comme ça, ah, je connais. Il dit, ok, tu connais là. D'accord, connais. Connais, connaissons. Il lui dit, écris ce que tu veux faire pour les prochains 6 mois de ta vie. Ah, c'est dans ma tête. D'accord. Fais comme ça là. Non, moi, je. D'accord. La prospérité a des principes. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Il n'y a rien inventé. Donc ne croyez pas que vous allez venir, vous serez spécial. Non, ma part. Non, 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 non. You're just a normal human being, man. Tu es juste une personne normale. Cherche à voir comment les autres personnes ont fait. Avant, quand j'écoutais ça, ça m'énervait beaucoup parce que je me disais que j'ai vu tout ce qu'ils ont fait, non. Mais j'avais vu, mais je ne faisais pas tout. Tu peux voir, tu connais, mais tu ne fais pas. Et si tu ne fais pas, tu n'avances pas. Point. On dit fact. Donc, un deuxième signe que tu seras riche. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que chaque fois que vous payez votre dîme, c'est l'opportunité de revenir sur ce que tu demandes. Il y a des trucs comme la dîme, il y a l'offrande à l'eau, quand tu fais peut-être un sacrifice animal ou quand tu lances ta poule. C'est l'opportunité pour toi pour redéfinir ce que tu veux. Vous venez faire vos dîmes là, dites que tu as écrit t'as dit ce que tu désires sur ton papier. Non, c'est dans ma tête. Je dis pas avec ton argent. Pas avec ton argent. Pas avec ton argent. Donc quand tu viens pour le lavage chez moi, donne-le le papier et dis assois-toi là-bas. Écris ce que tu veux. Vous allez voir que c'est l'exercice le plus difficile de votre vie. Tu vas croire que tu savais ce que tu voulais. Tu ne sais même pas ce que tu veux.
Et je dis, tu dois écrire de façon la plus spécifique possible. Je veux la somme de 5 500 000 d'ici décembre 2022 pour ouvrir mon restaurant au Carrefour Petit Pays à Bangui. J'invente. Après, je veux que le restaurant ait les chaises vertes avec un gros écran placement ou un projecteur dehors. Avec ceci, ceci, cela. Ma chérie, ton restaurant arrive. Vous ne connaissez pas comment on prend les choses dans l'invisible, on apporte dans le visible. Parce que quand on vous apprend les choses, ça paraît. Ah, regarde pas la petite fille qui vient essayer ces choses-là. Regardez-la. Ok. Attendez, je vais aller chercher la lace wig, je vais porter. Je vais faire le make-up. Ah, je vais faire le make-up. Je vais baptiser. Yeah, I'm gonna tell you how you can be rich. All right? Okay. First step, you need to write down. No. Je vais parler comme je parle là. Si tu veux comprendre, tu comprends. Tu peux comprendre, tu laisses. Bon. Il dit le deuxième signe qui va te dire au monde que tu seras riche. Le troisième signe qui montre que tu seras bientôt riche. J'hésite entre deux. Béni, béninois, tu fais quoi sur mes vidéos? Tu commences à te discipliner. Je vais beaucoup appuyer sur ce point. La discipline personnelle est plus importante. Depuis là, tu essaies de chercher, tu essaies de changer ton mari. Et mon mari n'est pas comme ça. Il ne fait pas comme ça. Il ne fait pas comme ça. Oublie-le. Forget about the man. Regarde comment ton ventre est en train de pousser depuis. Tu ne vois pas. Tu n'es pas enceinte. Hein. Tu prends du poids n'importe comment. Tu as commencé à dire qu'il faut que je mange bien. Tu as commencé à réguler ta nourriture. Tu as commencé à... Je suis en Côte d'Ivoire la semaine prochaine, donc prenez déjà vos rendez-vous, ceux qui voudront être consultés. Abidjan. Laisse ton mari, laisse les oncles de ton mari, laisse tes soeurs, laisse tout le monde. Tout à part, c'est tu commences. Donc voilà, 6 heures, tu es debout. Et la discipline commence d'abord par ton heure de réveil. D'abord. D'abord. Ceux qui viennent avec les faux commentaires là, je vais vous bloquer. Moi, je vous dis. Je bloque moi les gens sur ma page ici là. Vous suivez? Parce que mes vidéos, c'est même pas pour tout le monde. Donc, si tu vis ici là, tu commences à faire tes faux commentaires. Tu vois un commentaire, il ne répond pas. Deux, je ne réponds pas. Ferme ta bouche. Moi, je vous dis, oh, ça va pas, il te bloque. Est-ce que vous voulez toujours m'entraîner dans vos faux trucs là? Je ne rentrerai pas dans vos fausses conversations. Voilà. Si tu tombes sur ma vidéo, ça ne te parle pas. Quitte-tu pas ailleurs. Peut-être tu as trouvé ton bonheur ailleurs le matin. Donc, tu as commencé à te réveiller tôt. Alors qu'avant, tu tombais du lit à 7 heures. Maintenant, te voilà. Chaque jour, 4h30, te voilà à la douche, tu fais ton bain. Tu parles, tu dis ce que tu désires. Tu visualises. Tu mets, tu parles, tu es clair, tu es sûr. Il y a le numéro sur cette vidéo pour les gens d'Abidjan.
Vous le contactez, vous dites que vous voulez prendre le rendez-vous. Et tu as commencé à planifier des petites choses et tu fais. Donc, je te lève, avant de dormir, tu dis ok, demain, je vais me lever tôt, 4h30, je finis mon lavage. Je vais écouter quelque chose pendant 30 minutes de motivation. Après, je vais designer mon restaurant là. Après, je vais fabriquer un peu mes produits que je vais aller vendre en journée. Donc, tu as commencé à te discipliner. Et ce n'est pas quelqu'un qui te. Donc, tu as commencé seul, hein. Voilà un signe que tu seras riche. Tu ne mets pas quelqu'un dans tes choses. Bonjour, Mégane. Tu ne mets pas quelqu'un dans tes choses. On te trouve la nuit, 22h. Tu arrêtes de fabriquer tes produits. Tu as d'abord appris comment fabriquer les produits de beauté. Te voilà. Tu as fabriqué bien même. Tu as fait des emballages. Après, tu prépares comment faire ta prospection. Donc, ça, c'est chose qu'avant, tu ne pouvais pas faire. Tu as développé une discipline en toi-même là que quand tu regardes ça, tu te dis, je n'étais pas comme ça avant. Hein. C'est en train de s'incruster dans ton subconscient. Les riches sont des personnes. Vous savez, quand j'étais arrivé au Cameroun, je regardais, je me disais, ah, les pères qui ont l'argent au Cameroun, là, ils ne sont pas disciplinés. Mon père particulièrement. C'est un homme qui a eu son succès seul. Self-made. C'est quand ma part a commencé qu'il comprit que j'ai. I got it for my daddy, man. Mon père a eu son succès seul. Quand mon père avait 25 ans. Et je me rappelle quand je suis né, à 25 ans, moi j'avais déjà 5 ans. Oui. Mon père, c'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné. Aujourd'hui, je crois qu'il a 30, il a 55 ans. 7 heures, il est déjà à table pour manger. Il s'est réveillé vers 6 heures, comme ça là. 8h30, il est au bureau. Il lui donne un rendez-vous. Papa, un jour, je dis à papa que je vais préparer pour venir lui donner. Il me dit, ok, ma chérie. Ok. Il me dit, viens à 16h30. Je croyais que comme mon père vit au pays, c'est comme il est un pays, un père du pays. J'ai fini de préparer à 16h15. À 16h30, je suis en train d'acheter les papayes pour mettre sur la nourriture, pour déposer à côté de la nourriture et partir avec. Je l'appelle à 16h35. Papa, tu es encore au bureau, je suis en train d'arriver. Il dit, mais viens plus, tu es en retard. Ça m'a choqué jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle du jour-là. Papa, je vais te faire la nourriture. Il te dit que viens dimanche à 14h. Écris-lui un peu à 14h02. Tu dis que je suis encore tenté de venir. Moi, je ne viens plus. Et c'est des trucs que parfois, je suis tellement exigeante sur certaines choses. Et récemment, je parlais avec lui. Je me suis rendu compte que ça, c'est un truc que papa a incrusté dans lui. Et sans le savoir, au fil des années, ça m'a pénalisé beaucoup avec lui. Papa, c'est quelqu'un que depuis que je suis jeune, il te dit, il te demande. Je me rappelle quand j'arrêtais l'école. J'étais têtu dans ma vie. Quand je voulais arrêter l'école. Papa me dit, tu as choisi d'arrêter l'école et de suivre l'homme. Il dit, oui, papa, je suis amoureuse. Il dit, tu as su ma fille. Comme les blagues, hein, j'avais 21 ans. Il dit, ok, ma fille, c'est ta décision, hein. Sache que comme tu refuses, que tu as mis à l'école, tu as arrêté, non? Il dit oui. Il dit, je ne t'aiderai plus. Je ne sortirai plus mon argent pour toi. Tu as compris? Oui, papa. 6 mois plus tard, j'ai un problème. J'appelle mon père. Papa, j'ai tel problème. Il dit, ma fille. Et quand tu te rappelles qu'il y a quelques mois, tu m'as dit que tu as choisi. J'ai dit oui. Il dit, je ne ferai rien. Que je respecte ta décision.
Croyez-moi, j'ai appris la discipline personnelle, on dit the hard way. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, je remercie cet homme. Ce qui fait que, même avec mes enfants, je te dis toujours que tu es responsable de tes décisions. Mes enfants savent que si tu veux manger dans ma maison, si tu veux l'arrêt de baigner, viens dans mon entreprise de travail. Si tu te lèves, tu penses que le week-end, si tu ne vas pas venir travailler, ne te dérange pas. Lundi, tu vas frapper pour aller à l'école. Qu'elle ne blague pas. Maman, j'ai dit, mais, tu es parti travailler samedi. Non, tu es parti dimanche. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, non? Ok, bye. Ça m'amène sur le prochain point. Pour savoir que tu seras riche, tu commences à comprendre que tes décisions impactent ta vie. Donc, si tu as échoué dans le passé, c'était ta faute. Ça devait même être le premier point. Donc, quand tu racontes ton histoire à quelqu'un, tu n'accuses plus personne. Ah oui, j'avais décidé de suivre le père de mes enfants. Là, il m'a exploité pendant 15 ans. Oui. Moi-même, j'ai décidé de rester dans le couple. Je restais, oui. Je restais, il me tapait, il m'empêchait de travailler. Non, c'est moi-même qui choisissais. Et puis, un beau jour, j'ai décidé encore de sortir de là pour changer ma vie. Oui. J'étais confortable dans ça. Il avait conçu la maison, il m'avait donné une voiture. De même, j'étais malheureuse et sans direction, je restais. En racontant ton histoire, ou bien quand tu restes même dans ta journée, tu vois toi-même là où tes erreurs t'ont amené dans le trou. Personne n'est dans ton échec. Oui. Quand j'ai porté mes 2 millions pour donner au dragueur, là, je savais, non? Oui. Il m'avait montré 3 signes, 3, 4 signes là, qui n'est pas un bon gars. Mais j'ai porté moi-même mes 2 millions de la réunion que j'ai bouffé là. Je suis parti lui donner. C'était moi. Et non, on dit, oh, mon gars est venu me ruiner. Si ce n'était pas lui, c'est que moi je suis allongé dans ma vie. Il n'a rien fait. C'est toi. C'est toi-même. Elle dit que c'est toi-même. Pardon, ne venez pas avec vos rêves que vous venez me raconter là. Ne sais pas moi ce que vous voulez. Parmi vous, vous êtes confortable. Tu veux le confort et tu veux réussir. Tu veux le confort et tu veux l'indépendance. La liberté se paye à un prix. Et beaucoup ne sont pas prêts à payer ce prix. Comment on dit, tu vas te checker toi-même. Tu vas regarder ta vie. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, c'est comme si je rencontre un homme, il me fait laisser l'argent là. Je porte tout mon argent, je lui donne. En croyant au grand amour. Et après, ça me met encore dans le trou. Tu dois détecter tes erreurs. Une fois que tu as détecté tes erreurs, ça va te permettre de les ajuster. Un bon leader qui ne reconnaît jamais ses erreurs n'est pas un bon leader. Tu dois voir pointer tes erreurs. J'ai fait 8 ans sans papier dans ce pays à cause de... C'était ma faute, oui. Oui, c'était ma faute. Je suis arrivé, j'ai cru que je pouvais manipuler les gars là pour avoir leur papier. Je suis sorti avec 3 hommes, ils m'ont perdu 4 ans de ma vie, 6 ans de ma vie. J'ai voulu les manipuler, ça n'a pas marché. Quand tu analyses, voilà encore un cinquième homme qui est en train de venir. Si tu peux tomber dans le même trou avec une autre personne,
ce que toi-même là tu veux échouer. Prenez les responsabilités de votre vie. Prenez sur vous la charge de vos échecs. Acceptez. Et c'est que les femmes aiment bien ça. Les femmes qui se voient dans la consultation. Oh, j'ai telle personne qui m'a fait ça. Et tu écoutes souvent mes vidéos. Oui. De tout ce que je dis dans mes vidéos, tu mets quoi en pratique? Je voulais d'abord te voir. J'attendais d'abord de te voir. Je dis, femme, tu ne me forceras pas à dire ce que tu veux. C'était pas mieux, je suis très cru dans vos choses-là. Je suis très cru. Et un des signes, je peux dire ça, c'est le bonus, qui te montre que tu seras riche. Il y en a beaucoup, je ne veux même pas seulement me limiter à quatre. Comme tu te lèves ce matin, pour toi tu attends, c'est comme si à 9h tu vas voir dans ton compte bancaire l'argent. C'est comme si à 10h quelqu'un va venir te faire une commande de 1000 articles. Tu as une attente, tu es comme l'enfant qui est tout excité parce qu'il attend qu'on vienne lui donner son gâteau d'anniversaire. Tu sais que d'un moment à l'autre, c'est là. Donc ta foi a grandi. Tu es devenu quelqu'un qui attend. You are expectant. You know, you're just eager to receive your money. Un autre signe aussi, tu commences à investir sur de grands projets. Plus grand que ceux que tu investissais, ceux sur lesquels tu investissais avant. Supposons avant, tu partais sur les petits projets, genre, ça te prend peut-être 100 000 francs le mois. Bénéfice, 30 000 le mois. Maintenant, tu as encore 100 000 francs dans ta caisse. Mais tu commences déjà à viser les projets de 3 millions, 5 millions. Maintenant, c'est ça que tu prends les renseignements. Donc, ta vision, ta demande a augmenté. Et en prenant les renseignements, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour avoir l'argent pour payer les 3 millions là. Mais il y a quelque chose en toi qui te montre que tu vas avoir ça. C'est comme ça que tu sais que tu seras bientôt riche. Quand ta vision commence à s'élargir, tu vois plus. Tu ne vois pas seulement l'endroit où tu es. Donc, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur d'être seul pour un moment. N'ayez pas peur de penser seul. N'ayez pas peur de vous discipliner, d'être le seul chez vous à vous discipliner. C'est quand tu veux changer de niveau spirituel et financier et physique, tu changes d'abord. Parce qu'il y a des endroits où les riches se rencontrent dans ta ville. Tu n'as jamais été invité là-bas parce que ton énergie ne matche pas encore. Il y a certaines réunions que quand mon énergie a commencé à monter, on a commencé à me dire, il y a la réunion de 1 million là-bas, il y a la réunion de 3 millions là-bas. Tu arrives à la réunion là-bas, tu vois la nourriture qu'il y a sur la table. L'argent qu'on donne par réunion pour la nourriture, c'est 1 million. Le jour où j'ai appris le montant qu'ils ont mis sur la nourriture, j'ai dit que quoi? La boisson, hein, on te sert le champagne que tu veux. Le pire, c'est que je n'ai pas même pas. Et à voir, c'est pas l'argent. Je suis parti une fois en 8 mois. Mais la nourriture que j'ai vue le jour là, Jesus. Tu vois, chacun a sa bouteille de champagne devant lui, les qualités de vin. J'ai regardé comme ça, j'ai dit. Après, quand il y a le budget final, ça, après, il faut un résumé de la réunion. J'ai dit, ma Samia, 1 million de francs CFA. Ok. Vivant. Vivant, vivant. Donc, tu vas voir que quand tu vas commencer à changer, ton énergie va commencer à changer.
tu vas commencer à monter et tu vas rencontrer les gens qui sont dans ce niveau. Et je rappelle que le riche, ce n'est pas celui qui dépense son argent n'importe comment. Le riche ne fait rien pour rien. Le riche ne fait rien pour rien. Le pauvre aime venir aider les gens pour rien. Ce n'est pas la folie. Hein, je vais t'aider, après tu me donnes ce que tu veux. Il n'aime pas travailler avec le genre de personnes-là. Il dit tout que quand il demande ton service, qui que ce soit, donne-moi tes frais. Soit tu donnes, je discute. Mais on doit s'accorder jusqu'à te dire que c'est bon. Tu dis oui. À la fin, je sais que je t'ai donné l'argent pour le service que tu m'as rendu. Voilà. Très délicat. Tu vas voir que tu vas commencer à ton temps, tu vas commencer à le valoriser. Ne vous en faites pas, mettez-moi les likes, les dislikes, détestez ma vidéo, ça me plaît. Vous avez suivi. Quand tout le monde même ça ne me plaît pas. Je suis pas là pour tout le monde. Vous avez suivi. Quand tout le monde t'aime, ce n'est pas bien. Oh, j'aime ce que tu fais. Tu vas aimer, ça va me donner l'argent. J'apprécie ta façon de faire. Ça me donne l'argent. Je déteste ce que tu fais. T'es une sorcière. Ça me donne l'argent. Vous avez compris? Parce que je suis tout à plaire à tout le monde. Le riche valorise son temps. Là, il est 6 heures, non? Un jour, j'ai remarqué ceci à Douala. Beaucoup de ces personnes-ci, souvent, ils me remettent au balcon. Parce que je vis à côté de la route. Je me mets au balcon, je regarde un peu en route à 6h, 6h30. Je vois beaucoup de grosses voitures passer. Très tôt le matin, tu as très peu de taxis, très peu de motos qui roulent. Je vois les voitures sortir passer. Et je me rends compte que ces personnes qui ont l'argent, ce sont ces personnes-là que très tôt, excusez-moi, la personne va te dire que je suis en route pour aller à l'aéroport. J'ai un nid d'oiseaux sur ma fenêtre là-bas. Et les oiseaux là, vous me poursuivez toujours. Je vais aller voir après. Remarquez que ces personnes se disciplinent extrêmement. Si c'est que je dois être à Yaoundé à 10, 4 heures, il est dans sa voiture. Il a pris l'autoroute. Il n'a pas peur de dormir tard. Il n'a pas peur de se réveiller tôt. Il n'a pas peur de sortir quand il n'y a personne en route. Il est dehors. Vous avez beaucoup à apprendre des gens qui sont riches au Cameroun. Et les gens qui sont riches au Cameroun, ils ont compris le système de plusieurs sources de revenus. Tu vas le voir, il va te dire que l'autre aussi me donne l'argent du carburant, 50 000 par jour. L'autre aussi me donne l'argent pour construire l'immeuble là, 500 000 par jour. L'autre business là, ça donne l'argent de baigner des enfants, 20 000 par jour. L'autre aussi, ça donne ça. Quelle est la mentalité qu'on nous a donnée en Europe?
une seule source de revenus. Quand tu as une source de revenus, même si tu touches 5 000 euros par mois, ça vient d'un seul endroit. Et que tu n'as pas pris pour aller à déposer encore ailleurs où ça va produire, pour aller semer dans quelque chose, ou investir, ou acheter les parts d'une entreprise. Ça ne va pas. Tu vas voir au pays, hein, même la petite femme qui vend ses tomates dehors là. Elle a la tomate des condiments verts. Elle a le tapioca. Elle a je sais pas trop quoi. Tu viens, si ce n'est pas la tomate que tu veux, c'est le tapioca que tu achètes. C'est le chewing-gum que tu achètes. C'est les bonbons que tu achètes. Après, elle a même déposé un peu le macabo au sol là-bas. Après, tu vois, elle a déposé comme ça là. Elle a la petite couture qu'elle a ouvert à côté. Elle fait. Elle coule les habits des réunions du quartier. Ce qui fait que la mère a toujours un peu d'argent pour aider un de ses fils ou de ses petits-fils. Il parle, il fait, maman, grand-mère, j'ai besoin d'argent pour ceci. Elle prend un peu d'argent et se les donne. Parce que le système des Africains, c'est quoi? Quand tu parles la mentalité de l'Africain, chaque jour, l'argent rentre dans ma caisse. Chaque jour, money must come in my hands. Le système. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent en Afrique avec le système européen. Hein. Il va chercher son petit business là. On l'emploie là-bas comme secrétaire. Chaque mois, j'ai 60 000. 60 000, oui, 70 000. 30 jours avant d'avoir l'argent. C'est beaucoup. Donc, commencez à régler dans votre tête. Changez ça là. Clic, clic, clic. Et clic, 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 pour changer ça là. Voilà. Bon, j'ai terminé. On va suivre bonne journée. Les informations que je vous donne, j'enseigne toujours par saison. Je ne sais pas pourquoi cette saison-ci. Je me demande pourquoi enseigner sur la sagesse financière. Beaucoup d'entre vous, vous avez déposé votre argent quelque part à un seul endroit. Tu as mis tous tes œufs dans un panier. Bonne journée.